allez faire l'appel comme d'habitude. Sarah. Présente. Osman. Présente. Mahmoud. Présente. Amine. Eh bien, nous, tu prends Malin. Ça suffit, Amine. Dans votre carnet de correspondance, je vais faire à moi tes parents. Et maintenant, Ralia, tu emmènes Amine chez le directeur. Amine, tu as fait signer ton carnet par tes parents? Oui, madame, c'est un certificat médical. Chère madame, veuillez excuser notre fils Amine. Il a pris froid hier et a quand même voulu aller à l'école. Il n'aurait pas dû. Nous avons vu le médecin hier soir, voir le certificat joint cordialement. Je sous-signe docteur Minou, atteste avoir examiné l'enfant Amine et constaté qu'il avait un chat dans la gorge. Fait A, etc., etc. Un chat dans la gorge? C'est ça. Retourne à ta... Comme je vous l'ai dit en début d'année, nous allons mettre en place des projets. Aussi, je suis impatiente d'entendre vos propositions. Yaya? On pourrait faire un journal qu'on vendrait. Maman? Une web-série comme c'est des classes, ce serait super. Yaya? Pourquoi ne pas créer un musée virtuel? Yaya? Et si on faisait l'école buissonnière? Ouais! Ah non, ça ne va pas être possible. Mais pourquoi, madame? Mais parce que vous n'avez pas le droit. Ça alors, c'est la meilleure. On parle partout d'écologie, de préserver la planète, et vous, vous dites qu'on n'a pas le droit de faire l'école buissonnière? C'est scandaleux! C'est une honte! On se laissera pas faire! On se calme! Mais vous êtes d'accord avec nous, madame, que ce n'est pas normal de nous interdire de faire l'école buissonnière? Selon vous, c'est quoi faire l'école buissonnière? Ben, c'est planter plein de buissons tout autour de l'école. Ce sera joli, écologique. Ça apportera de l'oxygène. Ça permettra à plein de petits animaux de vivre tranquillement. Ça permettra de lutter contre les réchauffements climatiques. Mais franchement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit? Je crois qu'il s'agit là d'un petit problème de vocabulaire. Vous comprenez? Faire l'école buissonnière, ce n'est pas du tout ce que vous venez de dire. Ben c'est quoi alors? Faire l'école buissonnière, c'est manquer l'école pour aller se promener, par exemple. Ouais, on veut ça comme projet. On veut faire l'école buissonnière. On veut...